kick it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Dying Light. Donc on s'était laissé avec l'espèce de bus là où j'essayais de faire un massacre. Et donc entre temps bon j'ai rejoint un petit peu. Mais j'ai pas fait l'histoire hein, je vous rassure, j'ai juste joué pour un peu booster mon perso. Enfin booster façon de parler, l'améliorer un petit peu. Parce que j'ai pas fait grand chose on va dire. À part dépenser de l'argent, acheter des armes que j'ai plus. Donc on va aller ramener, enfin aller voir Rice là pour voir ce qu'il a à nous donner. Il y a de fortes chances qu'il me nique la gueule, qu'il me donne pas ce que je veux et qu'il m'envoie faire autre chose. Donc c'est parti. Eh mais ils vont enchaîner tous les uns pour les autres là. N'importe où. Oh là là là. J'ai pu constater quelques gameplays aussi sur YouTube. Je sais qu'il y a des armes après, et puis qu'il y a moyen de les dupliquer aussi. Parce qu'apparemment, il y a une petite méthode de duplication qui date d'un jeu précédent qui est toujours valide. Dying Light, si je me trompe pas. Et du coup, ça serait bien. Je suis un peu impatient de tomber dessus. Par contre, moi, je suis tombé moi-même sur un petit truc sympa. Bon, j'imagine que d'autres ont pu le trouver aussi. Hein. C'est pas très très compliqué, mais il y a un petit endroit où il y a une petite île avec un cadavre et une épée plantée dans le cadavre. Donc l'épée dit, je sais pas trop qui dit quoi, mais marqué, c'est mon épée Excalibur XP. Bien en gros pour dire genre il faut que tu aies de l'XP pour pouvoir le retirer et expérience je sais pas quoi, donc en gros il faut à mon avis il faut booster mon niveau pour que je puisse prendre cette épée. Du coup quand je veux la prendre bah, je peux pas bien sûr forcément. La nuit arrive les gars, je répète, la nuit arrive, rentrez à la tour tant que c'est possible. À mon avis si je peux pas la prendre tout de suite comme ça, c'est que ça doit être une bonne petite épée. Bon alors allons voir cet enfoiré là. J'ai terminé le boulot. Je dois maintenant retourner voir Rice et obtenir l'antizine. Tu rêves. Parfait. Non seulement tu as mené à bien la mission pour Karim, mais tu es revenu entier. Bravo. Je peux avoir de l'antizine maintenant? Tu pensais me satisfaire aussi facilement? Tu as encore beaucoup de choses à prouver.
Écoute, on a vraiment besoin de médicaments. Donne-les-moi et je reviendrai plus tard faire ce que tu veux. Tu auras l'antizine quand moi, je l'aurai décidé, pas avant. Mais je suis magnanime. Si tu as accompli toutes les tâches que je te confie, tu n'auras pas une, mais deux caisses d'antizine. Très bien entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce sera un peu différent de ton exploit sur les antennes. Il te faudra être un peu plus persuasif. Imposer sa volonté. Créer ses propres règles. C'est à ça qu'on reconnaît un homme. Tu fixes tes propres règles, Crane. Ou bien tu sers de marionnette à quelqu'un d'autre. Je crois connaître la réponse. Va parler à Karim avant que je décide que tu n'en vaux plus la peine. Je pourrais te foutre un gros coup de batte direct dans ta tronche là si je pouvais. Ça me surprend pas que Rice s'est pas tenu parole. Mais le GRE me laissera pas m'en tirer comme ça. Si on a une chance de récupérer de l'antizine, il faut pas la laisser passer. Cette fois, il veut que j'aille raqueter les colonies. Il a plutôt intérêt à me donner le médicament après ça. Mais non, mais... Aïe, 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 aïe. Ça me surprend pas que Rice s'est pas tenu parole. Mais le GRE me laissera pas m'en tirer comme ça. Déjà dû descendre un membre de ta famille. Ah, mon ami. Rice t'apprécie, c'est évident. Comment ça? Si c'était pas le cas, tu serais plus en vie. J'ai une petite mission pour toi. Il faudrait que t'ailles récupérer quelques trucs dans les colonies. Et quels ? Au garage de Jafar, pour commencer. À l'est. Mais attention, tout le monde ne sera pas forcément prêt à coopérer. Je suppose que tu sais être convaincant quand il le faut, non ? Ouais, j'imagine. On pouvait racketter des gens, quoi. Bon, ça m'énerve là, ces armes là. Tu peux pas me vendre des armes, bordel de merde. Sous de ma gueule ce jeu. Tiens, va galérer avec tes petites armes de merde. Tu veux te vendre un couteau, une petite masse. Oublie ça. Cool. Tu tiendras pas une seconde. Ça me surprend pas que Rice s'est pas tenu parole. Mais le GRE ne sera pas m'en tirer comme ça. Si on a une chance de récupérer de l'antizine, il faut pas la laisser. Bon alors, go. On arrive en pleine nuit, comme par hasard. Qu'est-ce qu'il y a de la chance, tuto ? Déjà agité. Thank you.
Ici Crane. Au rapport. Nouvelle mission pour Rice. Ça va être sale. Il m'envoie récupérer l'argent du racket auprès des rescapés du secteur. Faites ce qu'il dit et ne le lâchez pas. Gardez bien les enjeux en tête. Ok, terminé. Putain, c'est trop classe, quoi. Franchement, on trouve les graphismes. Si je pouvais avoir une meilleure carte graphique. Ah bon, vu le prix des cartes graphiques. On ne peut pas se plaindre de ce que j'ai déjà. Karim, je suis au garage. T'as pris ton temps. Fais ce que je t'ai demandé et dépêche-toi. Ce n'est que le premier arrêt. C'est toi, Jafar ? Ça dépend. T'es qui, toi ? Mon nom n'a aucune importance. C'est Rice qui m'envoie. Et tu lui dois de l'argent. Je te connais pas. Qu'est-ce qui me dit que tu viens de la part de Rice ? Allez, fiche-moi le camp. Très bien. Voilà ce que je te propose. Je te casse les deux jambes et je te traîne jusqu'à chez Rice. Comme ça, il pourra t'expliquer pourquoi t'aurais mieux fait de coopérer. Ça va, ça va. Tu fais clairement partie de la bande de Rice. Ce sont des brutes impitoyables. Voilà ton argent. Prends-le. Et si je dois revenir ici ? Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord ? Tantôt tu... Non, j'ai rien dit. Bon, alors... Karim, c'est moi. Je viens de menacer un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bon, maintenant tu vas chercher l'attaque au village des pêcheurs. Dirige-toi à l'est, vers l'entrée du tunnel. Tu tomberas sur leur messager. Alors c'est super dangereux ce que je fais, mais... Je fais des courses pour Rice. Et il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, le temps presse. On a presque plus d'antisine. Et ça m'ennuie de l'avouer, mais je commence à m'inquiéter. Je fais de mon mieux, Brecken. Je sais. Je voulais juste m'assurer que t'étais au courant de la situation. T'as oublié que j'étais infecté ? La motivation me manque pas, crois-moi. Très bien. J'espère juste que tu pourras rentrer à la tour rapidement. Mmh. Qu'est-ce que je peux, hein? Casse-toi, tout court, mais... Dans quoi je suis fou, ouais.
ça y est, je suis dans la merde officiellement. Je vais mourir. Voilà. Bon, d'accord, ok. On va aller dormir un coup. Parce que faut arrêter de charrier. Si tu veux que je fasse, là, j'aurai des armes pour me défendre. C'est pas avec un bâton que... Je vais aller très loin. Donc il serait bien que j'avance un peu dans le jeu aussi, parce que 3 épisodes pour faire un peu que j'ai fait. Putain. Je crois que c'était là, en fait c'était là. Putain, j'aurais pu y aller en noir. C'est où ? Quoi son arnaque là? Ouh, ça m'énerve ça, tiens. Et monte. Une bouche d'égout, y a pas de bouche d'égout ici là, tu prends pour un con quoi. Je saoule à mettre des points de repère à 15 000 de là où il faut. Ouais, t'es quoi? C'était quoi ça? Karim, c'est dingue! Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes yeux! Ouais, on les appelle des enflés. Logan en utilise parfois pour tuer d'autres infectés. Tu leur tires dessus, et ils restent tout dans un rayon de 3 mètres. Tu plaisantes? T'approche pas et tout ira bien. Et le messager, tu l'as vu? Non, j'ai vu personne, à part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle Courcelle. Foiré que t'es mort, tu peux pas m'envoyer au village direct là. Ah, c'est pas le soir. Énerve là. Voilà.
patte de merde, tiens. Je peux pas la prendre. C'est bien, mais c'est un peu merdique parce que j'explose un peu tout le monde. Moi le premier, sachant que j'ai pas d'armes à part des trucs au corps à corps. Aïe 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 aïe, je suis dans la merde. Problème. Oui, t'as pleu, oui. Putain, mais c'est raclou, les gens. Ils lui sauvent la vie. Puis en plus, ils continuent à s'attaquer aux zombies. Les mecs sont pas honnêtes. Sors des sales barbes de là. Je crois que je vais arrêter l'épisode 4 rapidement. C'est pas le soir, ça me saoule. Je préfère faire un épisode 5 mieux, plus complet peut-être. Ouais, vas-y, arrête de te casser les dents, quand même. Bon.
ça va pas le faire, par chance. Non, je sais pas pourquoi je fais le tour par là, moi. Ah si, je sais pourquoi, parce que là, j'imagine que je peux pas aller dans ce putain de tunnel. Je comprends rien, là. Faut que je remonte par... On va faire le tour par la flotte, c'est quoi? Hop! On peut faire le jackass ou le kamikaze, non? Déjà, je peux pas, c'est déjà pas mal. Ah, ils sont gentils, je viens de trouver un cadavre. Alors, quoi que vous fassiez, finissez et rentrez vite à la tour. La cour. Bye bye. Karim, je suis à l'extérieur du village, mais ça grouille d'infectés. Élimine-les, un point c'est tout. On est là pour protéger les gens, je te rappelle. Alors protégez. Je sais pas si je vais réussir à les éliminer tout seul. Mais si, parce que si tu n'y arrives pas, t'auras affaire à Raïs. Je t'ai expliqué ce qui se passait quand il était pas content. Mais c'est bien. Il vient de me couper la main, tu vas voir. Il sait qu'il va se couper la main. Non mais putain, donne des coups là, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu fous aussi avec une batte quoi. Sérieux, pauvre garçon. Aide-moi ça. Faire là, vas-y, ça me saoule. Sérieux, ça me saoule. Vas-y, crève là, qu'on en parle plus. Oh, je crois que c'est vraiment pas le jour. La nuit approche. Ça, j'y arrive à rien. Je m'énerve tout seul.
En plus, il me fout perpète les oies, là. Bon, on va se laisser là. On va dire que c'était un épisode pas terrible. Et puis voilà. Et puis j'essaierai de faire vraiment mieux la prochaine fois parce que là, ça m'a plus saoulé qu'autre chose. Enfin, c'est sympa, hein, mais voilà, j'ai pas gardé mon calme. Et c'est pas terrible. Puis j'avançais à rien en même temps. Bon bah écoutez, on se retrouve demain pour l'épisode 5 de Dying Light, en espérant qu'il soit un peu mieux que celui d'aujourd'hui. Hein. Allez, salut à tous!